Voilà, deuxième tuto pour échauffement corporel. Je vous conseille de l'alterner avec l'autre. Donc, une chose qui est importante, quand vous faites ces échauffements, vous trouvez une position stable pour le corps. C'est-à-dire que vos deux pieds vont être écartés à peu près de la largeur de vos épaules et de votre bassin. Les deux pieds sont parallèles, hein, vous faites attention à ne pas les mettre comme ça, ou voilà, vraiment parallèles. Vous sentez le poids qui va sur le talon et sur les orteils. Donc une fois, vous allez faire ça, vous fermez les yeux et vous oscillez en allant mettre le poids vers les talons et en allant mettre le poids vers les orteils. Voilà, tout le corps. Et vous essayez de sentir le haut de votre tête comme s'il y avait un petit fil ici. Et à la fois, le bassin. Alors le bassin, c'est cette partie-là de votre corps. C'est un grand os après la colonne. Et donc le bassin et le coccyx, qui est la dernière petite os de la colonne, vous les laissez se détendre vers le sol. N'est-ce pas? Donc vous ne voulez pas être comme ça, cambré. Si vous êtes naturellement cambré, vous essayez simplement d'un peu détendre le bas de la colonne sans mettre trop de poids. Il ne s'agit pas non plus de se mettre comme ça. Hein? Donc vous essayez de trouver à peu près le bon équilibre de votre corps. Au centre, vous oscillez vers l'avant et vous oscillez vers l'arrière. En sentant toujours bien le haut de votre colonne, vous respirez toujours bien. Et une fois que vous avez senti à peu près l'avant et l'arrière, vous essayez de trouver où le corps naturellement va se poser au centre. On va le refaire une fois. Pieds bien écartés de la largeur de votre bassin et de vos épaules, parallèles. Je sens le poids qui va aller vers les orteils et je sens le poids qui va aller vers les talons. Et j'essaie de garder la colonne bien alignée. N'est-ce pas? Vous essayez de ne pas faire des choses comme ça. Vous essayez de garder cette sensation de colonne alignée. Votre colonne, vous l'ai déjà dit, elle va du coccyx, qui est le dernier os, et elle va jusqu'en haut de la nuque, juste là où la tête se pose dessus. Alors vous essayez de bien osciller entre ces deux points. Voilà. Et une autre chose importante que l'on peut légèrement travailler, n'est-ce pas, c'est justement l'assise. Donc je vous parlais du bassin. Vous allez mettre vos deux mains derrière là, sur le bas de votre dos. Vous allez arrondir votre bassin, puis le remettre au centre, puis vous allez vous cambrer, vous allez donc vers l'avant avec le bassin, et puis vous vous remettez au centre. Faites des mouvements doux, légers, essayez de juste ressentir les choses. Puis, on va le refaire, vous mettez une main sous la fesse gauche, une autre main sous la fesse droite, et vous essayez de sentir les petits os pointus qu'il y a sous les fesses, les ischions, et vous posez bien vos ischions sur la chaise. Voilà la bonne position. On le refait, une main derrière, une main devant. Je vais aller vers l'avant, me cambrer. Je reviens au centre. Je vais aller vers l'arrière, j'arrondis un peu. Et je reviens au centre. Voilà, en respirant bien. Voilà, ces deux petits exercices pour aujourd'hui, pour ressentir la verticale et le bassin. Bon travail !